sommes réunis pour ce moment, pour moi, très important. Et c'est un immense plaisir d'inaugurer cette nouvelle pelouse qui a subi de nombreuses dégradations en juin dernier à la suite d'une occupation sauvage de caravanes. Face à la situation, nous avons été extrêmement réactifs. Nous avons entamé la réhabilitation du terrain dès le trimestre suivant pour redonner rapidement cet espace aux clubs sportifs et aux scolaires. Ces travaux ont été pris en charge en totalité par la ville pendant 5 mois et pour un coût total de 89 400 euros, autant dire 90 000 euros. Aujourd'hui, je suis heureuse d'inaugurer cette nouvelle pelouse de haute qualité qui va permettre aux équipes sportives stainoises, aux jeunes et aux moins jeunes, de pratiquer leur passion sur un nouveau terrain homologué, sécurisé et agréable à utiliser, on peut le dire aujourd'hui. Je remercie tous les services et les agents municipaux qui ont travaillé rapidement et efficacement sur ce projet. Je remercie également les élus investis au quotidien pour la ville et notamment notre élu Daniel Martinez, élu au sport, mais aussi Lydie, au niveau du conseil départemental. Enfin, je remercie les associations sportives avec qui nous avons beaucoup échangé durant les travaux, comme l'US Sénoise et son président Jérémy Ficou, qui est à mes côtés aujourd'hui. Merci à tous d'être présents.